Mesdames, messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue dans le titrologue de ce lundi 25 juillet 2022. Le journal Fraternité Matin consacre sa une au séjour du président Ouattara en Afrique du Sud. Le chef de l'État a séjourné du mercredi 20 au samedi 23 juillet en Afrique du Sud où il a échangé avec son homologue Cyril Ramaphosa et co-présidé un forum économique. Découvrez tout sur le séjour du président Ouattara en Afrique du Sud dans le journal Fraternité Matin. Élection des secrétaires départementaux. Samedi, une mobilisation digne d'un présidentiel. Le découpage électoral fait par le RHDP ont été poursuivis en dirigeant pour cet exercice test de démocratie interne. Le défi était grand. Plongé dans cette élection des secrétaires départementaux par le journal Le Nouveau Réveil. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble. Main dans la main, toujours aussi proche et encore plus innovant. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques. Pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Entre-temps, le journal Intelligent d'Abidjan revient sur la proposition de loi sur la polygamie. Geoffrey Kouao, politologue, s'est exprimé sur le sujet. Le Parlement n'est pas compétent pour se prononcer sur la polygamie. Ne ratez pas l'intégralité des propos du politologue Kouao dans le journal L'Intelligent d'Abidjan. Le titrologue pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous nos journaux en ligne via la plateforme moncurse.com. Merci de votre aimable attention et excellente semaine à toutes et à tous.